Yon gros parti nan population peyi d'Haïti, se moun ki al l'eglize. E si nou fon simple constat, nan remarke ke depi l'année 2010, rive jounen jodi a, gen yon gran augmentation nan nimero nan kantite moun ki frekante espace religieux yo. Ki donc kantite moun ki vin al l'eglize, ki frekante yon aktivite religieux kelkonk. Jounen jodi a ou pa bezwen gen linèt nan jè ou pou wè chak kote ou pase gen yon espace religieux. Sa ou rele l'eglize la. Ke lan ba yon tant, ke lan ba yon dra, ke li gen yon imeuble, men chak jouk pase gen an pil l'eglize ka paret. E sa vin fè ke, si nou gade bien, ap wè ke tout moun sa yo preske pase tout tan yo nan l'eglize sa yo. Gen l'eglize ki gen yon panopli d'aktivite, ki gen ki fonksyone preske 24 sou 24, ki fonksyone 7 jou sur 7, kote ke moun yo gen posibilite patisipe nan jen, patisipe nan vey de nui, patisipe nan tout kalite aktivite ke l'eglize sa ap fe, ki donk l'eglize nan tou nan espas kote ke li ofri yon lokal pou moun vini. Et mais c'est justement sous ça jodi a m'vle invite ou pense avèm. Pou ki rezon ke fè moun l'eglize Ayiti yo preske pase tout tan yo an dan l'eglize la? Et pour nous essayer de réfléchir sur ce sujet ça, première question qu'on a posé tête nous c'est qui raison qui mène moun sa yo l'église. Objectif aujourd'hui c'est pas présenter yon étude sur l'église parce que postérieurement nous ka fait ça, mais c'est en essayer regarder pour nous voir qui principal motif qui mène grande majorité de moun sa yo l'église. Vraiment intéressant que nous voyons c'est de l'église, conseiller de culte que yo bay tit, culte d'adoration et de louange. Mais l'on a des réalités, ou pour réalité a, li différent. Parce que en pile fois nan grande activité, nan grosse cérémonie qui fait nan espace religieux sa yo, pi gros objectif cérémonie sa yo, c'est présenter une requête, présenter une demande, que ce soit 7 jours, 7 miracles de Jéricho, 21 jours, 40 jours, veille de nuit, etc. Presque toute activité sa yo, activité religieuse sa yo, yo gen comme objectif présenter une demande à l'Éternel, qui sont bagay qui tout à fait normal parce que lui-même dit dans parole li pour nous présenter requête nous yo ba li. Mais ça me trouvé qui intéressant c'est que presque grande cérémonie sa yo qui rempli qui en pile moun vini que toujours plein que ce soit la journée que ce soit la nuit, très généralement c'est parce que gen un problème quelconque. Et sou comparer activité religieuse sa yo avec réalité pays nou, ou ap wè que c'est deux situations qui tout à fait compatibles. An gade pou wè. Autant que pa gen stabilité nan pays a pou gen travail, pa gen job ki créé, pa gen travail, c'est autant wè moun nan jeune ap mande travail. Autant que nou pa gen un système de santé de qualité qui pou prend soin population, autant que wè moun l'église ap mande la santé. Autant que enfin sou gade ou comparer avec situation pays ou pour nan yon bo situation pays a présenté yon difficulté atroce que malheureusement pa gen yon solution, c'est autant ou moun nan jan d'activité religieuse sa yo a présenté des demandes. Premier bagay m'vle attirer attention ki yon ti jan ki ban yon craintif, c'est que nous remarquons que nan raison ça motif ça que fait moun yo l'église là pile fois moun yo pas à chercher gagner relation ensemble avec Christ, pas à chercher gagner bon relation avec bon Dieu, mais à cause de nécessité yo y a chercher yon bénédiction que yo ka joindre dans mes bon Dieu. Bon, tu comprends ça mzou là, nous m'a répété pour au lieu que yo chercher gagner relation avec Dieu, yo a chercher sa bon Dieu ka bay. En grande majorité. Moi pas là pour me présenter une vérité absolue, moi seulement boy un point de vue. Actuellement là, m'pa présenter la parole, m'pa présenter un point de vue qui donc ou ka d'accord
ou ka pa d'accord ou ka wè ça yon lot jan. Mais façon mwen wè ça nan tout humilité, mwen remarqué que malheureusement on grande partie de moun sa yo ki presque habite l'église là, c'est parce que yo gon nécessité et nécessité ça lié à circonstances pays. Et ça qui est triste dans situation ça, dans fait ça que m'a présenté là, c'est que en même temps que quantité espace religieux ça a augmenté, si toutefois l'église en Haïti c'est ton business, alors moi osé dire si toutefois peut-être pas connais ça arrive que non business déjà, l'étape business qui plus prospère parce que en temps de crise, le business y a vraiment des difficultés. Heureusement pour l'église, on dit heureusement, peut-être un canal heureux ou il y a plus augmentation de plus augmentation d'espace religieux ça. Si c'était une entreprise l'étape son entreprise très 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 prospère parce que dans crise c'est là ça le grandit. Pendant toute l'entreprise a tombé dans crise, c'est dans crise que l'entreprise ça yo augmenté. Et bien ça qui triste c'est que vous remarquez que en pile froid mon yo chercher, même pas dire chercher la présence de Dieu, mais chercher à un espace côté yo penser que yo ka rencontrer avec le Seigneur dans la nécessité. Parce qu'en pile fois yo pas chercher le Seigneur dans un cœur d'action de grâce, de gratitude, mais en pile fois ça qui mène mon Dieu dans l'espace ça yo c'est nécessité. Et ça qui triste comme c'est que pendant augmentation ça a fait augmentation d'espace religieux ça yo, c'est en même temps tout gon augmentation dans une série de leaders. On série de leaders, alors dans toute humilité, on m'a présenté ou un constat que moins fait. Peut-être que je suis dans l'erreur et je suis dans l'erreur. Je suis dans l'erreur. De Dieu, tant que je suis dans l'erreur, Dieu le ciel, pardon, je suis dans l'erreur. Mais moi, remarqué que, en même temps que l'église a augmenté, en même temps, on série de leaders, on série de catégories de leaders, tout qui a augmenté. Et leader, ça, yo, malheureusement, ils ont profité de fragilité, situation, peuple. Leader ça yo profiter de situation précaire, situation de nécessité que moun sa yo a vivre. Je ne jodi a li vraiment difficile pour rencontrer moun ka prêche la parole de Dieu, qui prêche la nécessité d'avoir une bonne relation avec Dieu. En pile froid, je ne jodi a yo pas prêcher encore sou péché, yo pas prêcher encore sou bon jan relation avec Seigneur, yo pas prêcher sou intimité avec Christ, mais yo plus prêcher que sou vin lor malade, sou besoin mariage, sou besoin jeune caille, ou besoin voyager, ou besoin yo plus basé sur la nécessité des gens pour yo présenter yon message exactement j'entends et m'étendel. Encore une fois, m'pas dit c'est ça, mais si toutefois nous t'a considéré gens d'église ça comme une entreprise, c'est meilleure entreprise qui gagne parce que li étudie la nécessité de ses clients, li présente client yon service ou bien yon produit que client voulait, ensuite li mettait un prix sous produit ça. Il y a côté le 1000 gourdes, il y a côté le $100, il y a côté etc. Li mettait prix sous produit ça. Mais malheureusement, pile monde, en pile leader et par manque de caractère, pile leader qui gagne vieil esprit dans tête yo, profite jouer dans nécessité que population gagne. Certainement la parole de Dieu nous dit de prier sans cesse. Dernièrement, on parlait sur ça, mais la nécessité de prier sans cesse c'est que nous devons avoir une vie constante de prière indépendamment de qui côté yo, dans quelle situation, dans quel milieu, dans quelle époque yo doit prier sans cesse. Est-ce que cela pour autant veut dire que on doit toujours dans un espace religieux? Et ceci à cause de situation actuelle que nous vivons dans le pays noir. Son situation hors du commun, son situation que moun pata doué à vivre. Franchement. Je pense que ça a occasionné un fait que moins interprété comme ça. Je pense que y a un motif qui fait moun yo presque habitant dans l'église, yo. C'est parce que en pile froid yo tenté bay yon solution spirituelle à un problème matériel. Ou des fois vice versa, yo bay yon solution matérielle à un problème spirituel. Parce que la vie chrétienne, vie moun k ap servi bon Dieu, oui, li doué gen envie de prière constante. Mais en même temps, le chrétien doit être intelligent suffisamment, li doit intelligent assez pour li konnen l'heure pour l'aller sous genou et pour li konnen comment pour li affronter difficulté. Il doit connaître tout comment pour l'affronter problème ni. Il doit connaître comment lutte que il a passé, la bataille qui dans la ville, bataille qui dans la ville, l'important pour lui connaître
comment pour lui faire face à la bataille ça. Parce que réellement, problème spirituel doit gagner solution spirituelle. Par contre, problème matériel doit gagner solution matérielle. Je vais présenter une histoire dans la Bible, des faits dans la Bible qui pourra montrer que comment il est important pour nous prier, pour nous avoir une vie constante de prière, mais en même temps, il est important, tout devant problème, nécessité matérielle, il est important pour nous bailler une réponse matérielle. Et juste avant de me présenter au fait, ça, je voulais encore une fois inviter vous partager vidéo ça avec un ami que tu as aimé qui tendait parole ça yo like vidéo ça qui ton commentaire pour nous puisque en introduction ça me présente ton point de vue me sou pas d'accord avec qui ton commentaire sou d'accord avec qui ton commentaire tout dis me sou penser sur ça en nous ouvrir pour une discussion sur ça pour nous parler sur ça parce qu'en effet nous a pensé sur la parole. Ouvrez mes bois avec dans livre Exode dans chapitre 17 soit dans verset 8 pour arriver dans verset 14. Exode 17 soit dans verset 8 pour arriver dans verset 14. M'appli pour. En tant peuple Israël là refidim, mon Amalek vient attaquer lui. Moïse dit Josué comme ça, choisis quelques 20 garçons, demain matin sorti à l'goumer avec mon Amalek. Moi-même bon pas moi, m'a monté avec bâton bon Dieu dans mes mains. Moi va le camper sous tête mon. Josué fait tout ça Moïse te dit le fait. Il sorti à l'goumer avec mon Amalek. Moïse même monté sous tête mon là ensemble avec Aaron avec Our. Tout autant Moïse te kebe mes liens l'air. C'est mon Israël yo qui était pifo. Mais comment Moïse baisse mel mon Amalek vient pifo. Rivé on est Moïse te bouquet. Débral t'a fait le mal. Aaron a cou prend un roche, yo mettel derrière, yo mettel derrière Moïse, yo fait Moïse chita sous lui. Yo chaque prend un bras Moïse, yo kembe yo en l'air. Yo kembe au konsa jouk soleil a couché. Josué même te bat Amalek yo ak moun li yo bien bat. Li touye yo en bas coup d'épée. Après ça, Seigneur dit Moïse, écris ça dans livre registre pour moun yo pas jamais oublier bataille ça. Ou a dit Josué comme ça, m'a pas effacé non Amalek sur la terre pour pas jamais changer l'encore. Amen. Très bien, pour nous contextualiser le texte, peuple Israël là sorti en Égypte direction Canaan. Et pendant tout au long de route yo, yo pral faire pile expérience avec Seigneur. Yo pral faire pile expérience avec Seigneur dans route yo, yo pral gagner quelques batailles déjà. Et justement ça me veut attirer attention c'est que je veux qu'on ait que la vie chrétienne, la vie monde qui a servi bon Dieu, elle est pas faite seulement de victoire. Peut-être une aujourd'hui à grand pile monde qui a prêché une sorte de facilité, une fois qu'on vient joindre Christ, tout à fait réglé. En pile monde a prêché un espoir, une espérance qui est totalement différent, c'est comme si une fois que ou avec Christ, tout pas gars réglé, ou pas jamais un problème encore. Même la tirer attention sur fait ça parce que difficulté au fait partie de la vie monde qui chrétien fait partie de la vie monde en général mais principalement même qui chrétien l'important pour qu'on ait que vie ou fait difficulté ou fait partie de la vie ou, et la vie ou pas faite seulement de victoire la preuve est bien grande nous que peuple a tap sorti en Égypte il fait plus l'expérience avec Seigneur un peu plus avant dans Exode dans chapitre 5 dans premier verset hein, Exode chapitre 15 verset 1 il dit comme ça laisse Moïse avec mon peuple Israël yo chanter un chanté pour Seigneur mais ça chanté a dit m'a chanté pour Seigneur parce qu'il a gagné bataille. Il voyait choix lui avec tout cavalier jeté dans la main. Dans chapitre 15 dans Exode, il montre que peuple a tap célébrer, peuple a tap fêter parce que il te font expérience côté pour tes victoires dans une bataille. Ça veut dire que il tap fêter, il tap célébrer que il était content. Un peu plus tard, il prend devant une autre bataille encore, il prend besoin et lutter une autre lutte encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça qui était très clair, le fait que peut-être victoire que vous gagnez aujourd'hui, elle n'est pas déterminée si demain vous avez l'autre victoire. Victoire que vous gagnez aujourd'hui, elle n'est pas bon garantie que demain vous avez l'autre victoire. Peut-être célébrer ou pas célébrer aujourd'hui, ça peut arriver que vous avez une circonstance qui arrive dans la vie ou qui fait ou la peine. Ça peut arriver que vous avez un bagage qui passe dans la vie ou qui fait que célébration que aujourd'hui a, elle est transformée demain. Ça qu'arrivait justement
Célébration jodi an, demain li transforme à un bagay qui totalement différent qu'on pas jamais espéré. Peut-être célébration jodi an, demain si pral gon jour de lutte, pral gon année difficile. Mais ça me vle songer, ça me vle mettre dans tête, c'est que peu importe sa krive ou, peu importe lutte que pral fait face là, peu importe difficulté qui pral paraître devant, garantie pour gagner, certitude pour gagner, c'est que même bon Dieu qui t'a bon victoire hier, c'est même bon Dieu ça qui a bon victoire demain, qui a bon victoire jodi an. Même bon Dieu qui kon fort porter la victoire sous difficulté, c'est même bon Dieu ça qui bon garantie une fois que la marche ensemble avec ou pas gagner rien pour inquiéter. Et l'on fait face avec une nouvelle difficulté dans la vie, étant que chrétien, on doit aborder difficulté ça avec intelligence. Intelligence que Seigneur a ba ou. Et oui, me son pasteur, même pas un pasteur qui vient dire que vient faire toute journée, on vient faire 3 jours, on fait 27 ou 4, on fait 32 par contre etc. Moi pas un genre de monde qui non seulement prêcher ou bien présenter ou bien faire mon croire dans genre de rituel ça. Façon penser dans ça qui gagne ou avec la parole, moi rendre compte que notre Seigneur ba nous capacité, il ba nous capacité et nous supposer utiliser capacité ça. You know, moi crois là-dedans, moi crois que miracle existait. Oui, notre Dieu est capable, notre Dieu, mon Dieu nous a un pouvoir pour le faire miracle, mais en même temps moi comprendre que un miracle c'est agir bon Dieu, un miracle c'est l'action divine dans l'incapacité humaine. Miracle c'est l'action de Dieu dans l'impossibilité humaine. Une fois que n'est pas possible, une fois que pas gagnon qu'a fait, une fois que et ou pas gagne aucun bagage que au café, à partir de ce moment miracle a fait dans la vie. C'est ça qui fait que me dit ou n'a commencé établi dans l'esprit ou penser sous ensemble de bagages qui ca constitué une barrière, un problème, une bataille que ou pour l'affronter. Et une fois devant bataille ça, comment c'est fait tout travail pour dire dans capacité que mon Dieu ban moi, dans intelligence que mon Dieu ban moi, comment me faire pour me résoudre problème ça? Parce que le problème qui gagne c'est que un pile monde pas prier sans yo pas l'église. C'est ça qui fait que yo gain nécessité pour yo passer tout le temps yo l'église parce que c'est seulement là on a espace religieux ça que yo fait des moments de prière. Tandis que encouragement que parole la ba nous c'est que la vie nous doit une vie constante en prière. Et l'on fait face avec une difficulté si nous utilisons texte à nous doit là, si nous prenons comme exemple, nous garder si nous analyser bien comportement Moïse devant bataille ça que tu as affronter. Premier bail qui attire attention c'est que pour Moïse t'es porté la victoire dans bataille ça, premier ça le fait t'es bon stratégie. Li gon bon stratégie. C'est ça que fait toujours dit m'a répété, il est important qu'on soit des chrétiens intelligents. Premier bagage Moïse fait, Moïse établit une bonne stratégie. Verset 9 là dit comme ça. Moïse dit Josué, choisis quelques 20 garçons. Demain matin sorti à l'goumé ak mon Amalek. Moi même bon pas, moi m'a monter ak bâton bon Dieu en main moi. Moi va le camper sous tête mon. Seulement dans verset ça gon bonne bagage que nous ka apprendre. Dans pile bagage que nous ka apprendre seulement dans verset ça. Gardez avec. Moïse gon difficulté. Moïse gon barrière. Moïse gon problème devant. Moïse gon bataille pour l'affronter. Moïse gen une guerre devant pour le faire pas. Moïse gon ennemi ka attaquer. Et devant difficulté ça la première chose que le fait l'établir une stratégie. Et dans stratégie là dans verset 9 là nous ça le fait me sauter pour nous. On nous garder de plus près quelques bagages que nous ka tirer dans verset 9 là. Premier bagage que nous ouais c'est le leadership de Moïse. Capacité de leadership de Moïse pour lui gérer situation avec sang-froid. Et dans sa capacité de leader, premier ça le fait lui relayer Josué, lui déléguer Josué non seulement des responsabilités mais aussi de l'autorité. Lui déléguer Josué, il dit Josué, allez dans mitan peuple là, choisis des garçons vaillants, choisis quelques vaillants garçons. Il font délégation non seulement de responsabilité mais aussi d'autorité. Et Josué n'a pas participé dans son leadership là il choisit garçon que il remarque qui vaillant qui qu'a participé dans bataille ça dans stratégie Moïse il choisit Josué il bat Josué autorité Josué choisit des garçons vaillants
Pour qui ça? Pour Josué aller dans la bataille, aller devant la bataille. Aller et dans sa stratégie, il dit aller bonheur, commencer bonheur. Et bien Josué aller devant la bataille là, et Moïse dit moi-même m'apprêter avec bâton mon Dieu là, même m'a monter sous montagne. C'est ça qui fait me dire que nous pas capable yon solution matérielle à qui un problème spirituel. Nous pas capable yon solution spirituelle à qui un problème matériel. Une fois que peuple a attaqué, une fois que ennemi prêt pour envahir peuple là, Moïse pas dit peuple là en al prier. Moïse pas dit peuple là en al font 3 jours jeûne. Moïse pas dit peuple là en al font 27 jours jeûne. Non. Dans sa stratégie, l'établon stratégie, pendant Josué devant la bataille, c'est une réponse matérielle parce que ennemi ça dit de façon matérielle devant la bataille. Et bien, de matériellement, Josué prend devant pour la bataille. Pendant moi-même, ma priorité derrière, ma priorité pour moi, la prière. Nous, quand on voit comment stratégie Moïse là, important et comment stratégie que l'utiliser après l'aider puis devant pour le porter la victoire. C'est ça qui fait l'important, m'a répété jusqu'à ce que il fait partie de penser de la vie ou de façon où il est toujours important pour qu'on on stratégie. Quel que soit problème qui devant nous, quel que soit barrière qui devant nous, quel que soit bataille qu'on a affronté et de tout type, de tout genre. Comment c'est fait tout travail parce que Seigneur a bon intelligence. Ma vinzo qu'on y a là à m'bral prier pour ou m'a fait une position de main pour non. M'vinzo calé géo, ouvrir l'esprit ou parce que Seigneur a bon capacité de réflexion. Seigneur a bon capacité pour travail, pour produire, pour gagner des stratégies. Et m'bon garanti, tant que stratégie ou là, tant que préparation n'a bon, c'est tant que action divine qu'a fait dans la vie ou là, la gros. Au préparer, c'est tant que ça bon Dieu va le faire pour voir la pi bien faite, la faite de façon plus grandiose. Ma bon exemple simple, imaginez que ou soif de l'eau, si c'est un petit cup, ou un petit cup qui fait la seigneur, petit cup qui fait la seigneur, si c'est un petit cup comme ça que ou gagne en main, bon Dieu a bord de l'eau, oui, il a bord de l'eau. Par contre, la plein petit cup là, l'eau a pas satisfait. Si son on veut de l'eau gagne mon la bord de l'eau mais y veut que gagne mais on qui sont cuvette ou gagne un bouquet ou gagne un bassin ou gagne dépendamment de capacité que rien c'est dépendamment de bénédiction que on recevoir même vous les dire mettez intelligence mettez brain en dehors parce que certainement Seigneur veut bénir ou lui faire gros bagaille pour mais ça dépend de combien niveau de préparation que gagne. Un bon exemple simple pour nous contextualiser. Nous dit que nous pas capable une solution matérielle pour un problème spirituel, nous pas capable une solution spirituelle à un problème matériel. On imagine que on a un espace côté que on dit en supposition ou un monde qui un mauvais esprit entré dans tête. Ça son problème spirituel qui mérite résoudre avec une solution spirituelle. Dans le nom de Jésus, ou qu'a expulsé des démons encore. Ou qu'a expulsé démon comme Seigneur ba nou autorité. Ça son problème spirituel qui besoin d'une solution spirituelle. Imagine ou qu'on y a ou pas joué de travail ou pas qu'à travail. OK, ou pas qu'à travail. Qui sont pensé que ou qu'a fait comme ou qu'a prend comme décision devant difficulté comme ça. Ah, ou fini université, ou ça fait un pile temps qu'ou pas ou pas jamais joué de travail. Ou qu'a choisi faire par qu'on est 27 jours dans Shalom, ou qu'a choisi faire 42 jours par qu'on est Kaikies, 53 jours par qu'on est Kaikies, mais ça pas garanti que ou a besoin de travail. Ou qu'a besoin de travail. Et l'homme a besoin de travail, c'est pas que bon Dieu pas béni ou non, c'est niveau que ou gagne, niveau capacité que ou gagne, c'est le niveau ça bénédiction en campé. En pile fois on dit plein que on pas qu'a besoin de travail, mais qui sont qu'on fait? Qui sont qu'a fait? Ben m'étudier me fait tel bagage me fait tel bagage mais est-ce que réellement on apprend font bagage non mais est-ce que réellement on finit utiliser toute capacité que on gagne parce que me dire que la condition pour un miracle fait c'est une fois qu'on arrive dans le point de l'impossibilité humaine est-ce que on déjà utilisé toutes ressources que Seigneur a ba ou toute capacité que Seigneur a ba ou en pile fois plein on monter la montagne parce qu'on pas qu'à travailler mais mon CV on pas connait comment pour faire. Mais on sait vieux par contre comment pour faire. En pile fois monter la montagne ou prier ou pas car ou
crier parce que vous n'avez pas de travail. Et puis, vous allez côté, vous qui sont qu'on fait, qui sont qui sont ah, n'importe quoi, bon, m'a fait. Non, nous pas qu'à bailler des solutions spirituelles pour problèmes matériels. L'autre point qui est important dans le texte, là, nous remarquons que, en même temps que Josué est déplacé pour lui aller par devant dans la bataille, là, en même temps, Moïse, lui-même, dans verset 11, il dit tout autant Moïse de Kébé Mélian l'air, Moïse montait tête bonne avec deux Mélian l'air, c'est comme ça lui-même de participer dans la bataille. Deux Mélian l'air. Le problème qui se pose, c'est que nous pensons que le moment d'intimité sert avec Seigneur, le moment pour nous chercher Seigneur, c'est uniquement le nom espace physique, le nom espace religieux. Non, la recherche d'avoir de l'intimité avec le Seigneur, son bagage qui doit être constant chaque jour. Son bagage qui doit faire partie de la vie, au même genre respirer, à chaque respiration, on doit sentir la présence de Dieu, on doit chercher vivre pour Christ. Et bien, l'autre façon qui montre que Moïse portait la victoire sous la bataille, ça, c'est avec deux mains en l'air. Tout autant, même Moïse était kebé en l'air, c'est comme ça, mon Israël, tu as porté victoire. Et chaque fois Moïse descend, men, c'est mon Amalek qui t'a porté victoire. Eh bien, là, nous ne pouvons pas dire qui est-ce qui est important. Est-ce que c'est la stratégie qui est importante ou bien est-ce que c'est la prière qui est importante? L'important, c'est que les deux choses doivent se faire de façon simultanée. Pendant qu'on prie pour Dieu, pendant qu'on demande pour Dieu un travail, préparez-vous. Pendant qu'on demande pour Dieu un travail, participez à un séminaire. Pendant qu'on demande pour Dieu un travail, apprenez son CV de façon correcte. Pendant qu'on demande pour Dieu un travail, commencez à faire recherche pour voir quelle qualité journée et jour il y a besoin dans le monde qui, pour gagner un poste, tant qu'un poste que vous avez gagné. Pendant qu'on demande pour Dieu un travail, ce n'est pas seulement aller à la montagne, aller dans le jeûne, aller dans la veille de nuit, mais c'est préparer professionnellement pour qu'il y ait un professionnel exemplaire pour une fois qu'on a opportunité arriver devant pour qu'il y ait opportunité ça et saisir opportunité. Et en même temps on fait recherche ça yo mais on l'est c'est dans le contexte de prier sans cesse. Stratégie important, la présence de Dieu important. Le fait qu'on a une bonne stratégie, ça pas dire que ou pour elle dépendre uniquement de stratégie ou là pour arriver à l'objectif. Non. Stratégie nous n'a pas retiré dépendance de Dieu. Nous dépendons de Seigneur. Nous dépendons de bon Dieu. Nous dépendons de lui. Par contre, tant que stratégie nous a pi bon, c'est tant que action divine dans la vie nous a de meilleure qualité. Et bien, l'important pour une bonne stratégie pendant qu'on prie. L'important pour gagner une bonne préparation pendant qu'on prie. C'est ça que fait journée jodi am vinzo, pas chita dans jeûne 24 sur 24, pas chita dans veille de nuit 24 sur 24, pas chita dans la montagne 24 sur 24. La vie doit gagner la présence de Dieu constamment que la caillou qu'on a marché à que n'importe côté pendant on chercher la vie pour petit tout, pendant on préparer avenir, pendant on préparer professionnellement, pendant on par connait ou à l'hôpital, l'orgue problème dans l'orgue par connait on appendicite prend, c'est pas l'église pour courir, c'est l'hôpital pour aller. Parce que Seigneur a bâillé femme et garçon capacité et intelligence pour résoudre le problème ça matériellement. Je ne sais pas si vous comprenez ça. L'important pour nous prier, l'important pour nous avoir une vie constante de prière, mais non pas qu'à substituer l'agir et action matérielle par des solutions spirituelles. Yon autre bagay kati atansyon nan principalement nan verset 9 la, se lè Moïse di m'a monté sou ti tèt moun nan avec bâton bon Dieu. An pense avèm, tout au long de parcours sorti en Égypte direction Canaan avec bâton sa ki nan Moïse la et li réalisé une série de bagay extraordinaire, li réalisé une série de miracles. Mais ça kati atansyon c'est que malgré tout bagay grandiose sa yo ke li réalisé, li toujours gain humilité pour le connaître que bâton ça les représenter le pouvoir de Dieu.
Li gen humilité suffisamment pour le rendre compte que c'est pas lui même qui son bagage, c'est pas lui même qui fait de l'eau sortir dans roche, c'est pas lui même qui ouvre la mer rouge là, c'est pas lui même qui réaliser ses merveilles avec ce bâton, mais c'est la présence, c'est le symbole de la présence de Dieu parmi le peuple qui fait bagage ça arriver. Et je vous dis, c'est ça qui fait me dire que grand pile monde malheureusement qui profiter de fragiliser peuple là, de fragilité peuple là pour yo autoproclamer yo comme baron ayon puis gros niveau gagné, c'est pasteur des pasteurs, yo c'est prophète, yo c'est pas qu'on est etc. Parce que dans ce contexte, c'est comme si moi remarquer peut-être mon canaille, mais c'est comme si moi remarquer que yo pas été yo une super valorisation au détriment même du pouvoir de Dieu. Conseil de prophète m'a point cap parler de façon, c'est comme si c'est au bon Dieu. Et malheureusement, peuple ça en pile là-dedans qui a vécu une situation atroce, en pile là-dedans qui malheureusement être manipulé, yo confié dans monde ça comme si monde ça c'est ta même monde ça qui bon Dieu. C'est ça qui fait que m'attire attention sur verset 9 là. Moïse, dans son humilité, lui reconnaît que le pouvoir qui fait toute bagaille, ça au fait merveille, ça y arrive, c'est le pouvoir de Dieu, mais pas son pouvoir. Qui donc, on doit faire attention à tout le monde qui mettait tête dans le pied d'estal, qui t'a comme si c'est au représentant bon Dieu sur la terre. Si au représentant bon Dieu dans l'église côté où il en fait attention parce que le pouvoir est de Dieu, il n'est pas pouvoir ça va pour personne monde, il n'est pas pour garçon avec femme, il n'est pas pour aucun leader, il n'est pas pour aucun monde, le pouvoir est le pouvoir de Dieu. Et si on va arriver dans la vie, on arrive par la grâce en bas pouvoir bon Dieu, mais pas parce que il y a un monde qui a une capacité pour faire un bagage pour. Dernier point m'a pas attiré attention, c'est dans verset 12 là. Côté verset 12 là diront ça. Réveillons les Moïse de bouquet, deux bras t'a fait le mal. Aaron et Our prend une roche, yo mettel derrière Moïse, yo fait Moïse chita soli, yo chaque prend un bras, yo chaque prend un bras Moïse, yo kembel en l'air. Yo kembel au comme ça jour soleil couché. Par contre, tu prends sens bien contexte texte. Moïse rivé dans moment, sent-il pas capable quand tout bras a fait le mal et Jean texte la dit nous, chaque fois le baisse bras, peuple Israël prend coup. Et chaque fois le levé bras, peuple Israël gagne. Qui donc, chaque fois que mêle en l'air, deux mêle en l'air, il porte la victoire. Chaque fois que dans la prière, il porte la victoire. Mais chaque fois que il est fatigué, il perd du bataille. Ça prouve que, il y a quelques batailles qui ont pour passer, il y a quelques batailles qui ont affronté. L'important pour apprendre à compter sur être prochain. L'important pour apprendre à compter sur aide yon l'autre monde, yon l'autre monde ka longe men ba, yon l'autre monde ka ide yo. Même j'en gade Our avec Aaron qui automatiquement prend deux bras Moïse yon kembe yon lè. Mais détail vla tire attention nan se Aaron avec Our bon côté Moïse, yap gade Moïse ki en action. Yap gade Moïse ki en action. Et action Moïse pour la victoire de bataille ça action Moïse c'était deux mains en l'air pour la intercéder, deux mains en l'air la prière. Vous songez deux mains en l'air signifie que Moïse était dans la présence de Dieu. Et ben pendant Moïse en action, automatiquement Aaron avec Our remarquait la nécessité de Moïse. En aucun moment texte là pas dit nous que Moïse regardait Aaron, regardait Our, il dit nous même non pas étiré ça fait là, venez non non. En aucun moment texte l'a dit que Moïse fait demande. En aucun moment texte l'a dit Moïse plaigne, il dit nous pas même nous pas vraiment faire mal, nous pas ka. Non non. En aucun moment Moïse pas dit rien, sauf que le fait que Moïse était en action, monsieur a remarqué la nécessité de Moïse et il a aidé. Et donc ou pas seulement chita regarder à tant. Et tant que chrétien, on pas qu'à mendier, je t'ai demandé, non. Mets-toi en action parce que une fois en action, une fois on bouger, une fois on commencer fonctionner, automatiquement a bien un monde quand même que Seigneur a metté sur auto cap pour ou bouger, cap pour que ou commencer faire tel bagage ou venir non pas capable encore puis l'a kembe mais on pour l'avancer avant.
gen des batailles que ou pas affronter ou gen nécessité un coup de main, mais coup de main ça seulement pour se voir si l'eau commencer marcher pourquoi, commencer fonctionner pourquoi, commencer bouger pourquoi, ou commencer bataille pourquoi. Et dans mi temps bataille là, yon mon a pour wè que ou gen nécessité la bon coup de main, la bon bourade. Et si nous considérons que le principal motif qui mène mon l'église à Haïti, c'est nécessité, c'est problème principalement, conjoncture actuelle pays noir. Mais si toutefois que vous voulez que dans mi-temps chemin, il y a un monde bon, il y a un coup de main, on pas qu'à 24 heures de temps dans le jeûne, on pas qu'à 24 heures de temps dans la veille de nuit. Non, commencez à bouger, commencez à faire effort, parce que dans mi-temps, effort à faire, on va obtenir un coup de main. Bon, n'a pas conclu réflexion noire pour nous dire que passer tout le temps dans l'église pas en garantie que problème ou y a résoudre. J'ai l'impression en pile fois bon j'étais aimé aider mais le pas comment voler dehors. Passer tout le temps dans l'église dans toute qualité de service pendant que on vénère un être humain comme si c'est le bon Dieu, aujourd'hui on parle dans jeune caille tel, parle dans jeune caille prophète tel parce que prophète tel qui a fait tel bagarre parce que prophète. Dès pour ouais c'est sous monde au compter ou déjà échoué. Des deux conseils que identifier problème ou identifier barrière ou identifier bataille ou. Et une fois identifié bataille, on va venir pour faire toute journée en l'église. On va venir commencer utiliser l'intelligence que bon Dieu ba ou. Utiliser l'intelligence que bon Dieu ba ou. On va venir pour aller en jeûne pour aller prier parce que la vie doit envie de prière constamment, que ce soit la caille ou que ce soit l'église. Et bien étant donné que ou déjà gon vie de prière ou déjà gon vie de bonne relation avec Dieu, qu'on y a venir ouvrir l'esprit ou pour faire tête au travail pour demander bon Dieu direction pour porter victoire sur bataille ça. Parce que bataille que vous la donne, pour sortir la donne, vous besoin d'une bonne stratégie. Pour sortir la donne, la prière doit faire partie de la vie constamment. C'est pas seulement l'église qu'on doit prier. Pour sortir la donne, ou qu'à compter sur aide n'importe l'autre monde. Mais aide ça vient de nous une fois que on en route, on commence à marcher, une fois que on commence à bouger, une fois que on commence à faire effort. Malheureusement, je ne dis à nous que la réalité dans le pays, non, c'est comme ça. Lié. En pile l'église, chaque jour, nouvelle l'église, chaque jour, nouveau leader, et en pile fois leader, ça y est, ils manipulent les peuples. Ils utilisent la souffrance peuple. Ils profitent de fragilité peuple. Ils profitent de nécessité peuple. Pour yon vann peuple en pile fois yon illusion. Pour yon vann peuple yon espoir qui pas existé. Pour yon vann peuple yon paix qui pas existé. Puisque c'est seulement bon Dieu qui a la paix. Pour yon vann yon satisfaction qui pas existé. Eh bien, nan fini pour nous, mettez confiance dans le Seigneur. Dégagez pour une vie constante de prière. Lors une bonne vie de prière, on vit en parfaite harmonie avec Seigneur. Priez constamment qu'on y a pour résoudre problème ou mettre garçon avec femme sous vous pour dégager joindre opportunité pour avancer pour résoudre problème. Habiter dans l'église là pas résoudre. Et si pasteur pas dire ça, c'est que il a menti avec. Habiter dans l'église là pas guérir. Habiter dans l'église là pas bon travail. Habiter dans l'église là pas bon stabilité dans famille. Habiter dans l'église là pas faire mari ou madame ou traiter ou bien. Habiter dans l'église là pas résoudre problème ou yo. Parce que un problème naturel et un problème matériel doit gagner une solution matérielle. Ces problèmes mariage que vous gagnez. OK, ou ka kon problème mariage. Sauf que dans jeune 24 heures de temps, il pas résoudre problème non. Commencez baigner, commencez laver tête ou suspendre laver tête une fois par mois, une fois commencer baigner, mettre belle radio sous, mettre parfum sous, commencer sortir fréquenter des endroits pour tendre monde, pour parler avec monde et dans mi-temps chemin, porte à ouvrir pour vous. Si travail ou besoin, alchita en jeune toute journée pas bon travail. Dégagez pour une vie constante de prière, une vie de relation avec Seigneur pendant vous préparer CV ou pendant vous préparer ou suivre des formations, suivre des cours en ligne, ou faire recherche, ou préparer ou poser questions, ou découvrir nouvelles bagages, ou préparer en tant que professionnel pour une fois que l'opportunité a venir devant pour qu'apprendre. Nous qu'apprenons un exemple, nous qu'apprenons bon exemple. Mais l'important en conclusion ça que nous devons fixer c'est que
pas chercher bail une solution spirituelle à problème matériel. Que le problème ou gagner c'est garçon pour mettre sous, c'est femme pour mettre dans taille pour résoudre problème. Une fois que considérant que ou déjà gon vie de dévotion avec Seigneur. Une fois qu'on déjà gon vie de dévotion avec Seigneur, gagne le problème ou gagner c'est mettre femme avec garçon sous pour résoudre problème là en bas direction bon Dieu. Bon, c'est ton plaisir pour nous te réfléchir sur ce sujet ça ensemble. C'est ton plaisir pour nous te gagner tant de réflexion ça. Une qui dit pour qui ça en pile monde l'église Haïti, yo passe presque tout le temps yo dans l'église et nous réfléchir bien sur motif qui fait ça et comment nous ca contourner situation ça. J'espère que vous te passez un bon moment ensemble avec nous et n'a pour une prochaine fois pour un autre sujet comme ça. Que mon Dieu bénisse, pas oublier abonner à la chaîne, partager avec les amis, aider Chanel ça grandir, aider Chanel ça arriver loin pour parole bon Dieu qui a touché cœur, pour parole bon Dieu qui a touché âme et pour parole bon Dieu qui a produit transformation de vie. C'est ton plaisir, yon gros accolade, bon Dieu bénisse.